c'est Miss Nemo. On se retrouve dans TIFF, l'épisode 31, je crois. Et on va enfin aller choper cette pierre. Je regarde vite fait si j'oublie rien, mais bon, normalement... Oula. Je pense que c'est par en haut, donc on va fouiller le bureau d'abord. Alors, Monsieur Farnum, à n'en pas douter, c'est un générateur étrange que Sa Majesté a là. Nous avons nettoyé à fond les déclencheurs et riveté la base selon les instructions. Ce truc est mieux fixé que les conduites de l'autre côté de la rivière. Nous avons laissé un peu de matériel en dessous, mais nous passerons le récupérer plus tard dans la journée après la réunion. Donc ouais, voilà, potentiellement, il devrait pas tarder. Oui, un saut de lait, là. Bon, bah, allons-y, hein. Je crois que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Il va falloir que je saute, c'est ça, ou un truc du genre. Avec les trucs qui vont tourner et tout. Ah. La construction du système d'alimentation de la cité a commencé. Quand j'aurai maîtrisé la primale, l'énergie emprisonnée sera contenue dans le donjon. Une fois en place, l'instrument primal devrait fournir une énergie pour ainsi dire illimitée. Un vaste réseau de conduites transportera cette énergie de mon donjon central jusqu'aux quatre coins de la cité. Les conduites sont déjà installées dans beaucoup de zones, même s'il reste encore beaucoup à faire. Après tant d'années, la nouvelle ère industrielle est pour bientôt. Je devrais peut-être commander un portrait de Samias pour le donjon. Donc en fait, tous les trucs par lesquels on passe là, c'est peut-être ça en fait, c'est les conduits qui devraient servir à... Oh, j'ai pas tombé. Mais ils m'ont fait peur. Bon, bah on va toucher à tout, on va voir ce que ça fait. Hein. Bah oui, je tourne. Ah, c'était dans l'autre sens. Pas le mettre à fond, on va essayer de le mettre à ça là, voilà. Non, non, je crois qu'il faut le mettre en haut. Je comprends absolument pas ce qu'il faut que je fasse. Mais ça me paraît très rapide là en fait, non? Je sais pas. Je comprends pas. On va essayer, mais. Non. Peut-être que je passe par en dessous. Oh. Ah oui, non mais ça je savais qu'il fallait activer ça là-bas. Mais oui, mais encore. Ah, peut-être ça là. Oh. Quoi, c'est tout? Non. Je pense que si je tombe dans l'eau, je meurs. Est-ce que je peux grimper par là?
alors il faut que je fasse descendre le truc. Tiens, on va le ralentir parce que... Il y a un impact à l'intérieur, alors je sais pas ce que ça vaut, mais c'est pas très rassurant non plus. Sur la vitre. Alors maintenant, est-ce que je peux grimper? Ah non, toujours pas. Bon. J'avais eu des fléchettes pour le grappin. Non? Ah si, je me disais bien. D'accord, d'accord. Alors, le grappin, c'est le... ça. Hop. Bon, cette fois, tu te loupes pas. Bon, ça va. Non, non, descends, descends, descends. Petite musique qui rassure. Je vois pas grand chose, hein. Pas beaucoup de luminosité. Hein. En plus il fait très jour, donc j'ai les reflets de la fenêtre. Oui d'accord, mais je fais quoi là? Est-ce que je peux grimper là? Non. Je me doute que si je suis venue là, c'était pas simplement pour ça, tout de même. Non? Là-dessus, je peux pas monter. Ah bah non, c'était pour un trésor. D'accord. Victor, je t'avais dit de ne pas boire ça. Quoi? D'accord. Donc voilà, c'était seulement pour un trésor, mais... Ça ne m'aide pas beaucoup. Ça ne m'aide pas beaucoup. Non mais... Je crois que si je le préviens pas qu'il faut qu'il attrape la corde, il a un petit peu de mal. Ouais, mais du coup, je l'ai pas pris le machin. Que j'aille le rechercher, je pense. Ouais. Hop. Je vois une échelle là, je crois. Peut-être qu'il faut que je fasse tomber ça. Non. Oui, non mais prends ça aussi. Là, à tes pieds. Là. Voilà. Je vais sauvegarder parce que je sens qu'il va encore le rater. Alors, cette fois, Garrett, tu es gentil, tu sautes. Quoi, qu'est-ce que t'as shooté dans quoi? Faut que je me mette bien droit. C'est bon.
pour petit pépère, faut le prévenir à chaque fois. Ah, maintenir Y pour observer. Une fissure dans la glace. Mais ça reste épais. C'est pas les flèches qui vont m'aider. Bon, oui, déjà c'est un indice, donc c'est bien ce que je me disais, il faut. Mais qu'est-ce que je vais. Ah non? Ah si, si, si. La petite bourse. 4900, on y arrive petit à petit. Hein. Bon, on est loin des 9000 et quelques pour avoir l'amélioration, mais. Ça monte, ça monte. Alors, oui, du coup. Qu'est-ce que je pourrais. Il y a peut-être un truc à faire tomber, mais quoi donc? Mais qu'est-ce qui serait en face? J'ai envie d'essayer, je garantis rien, mais. On va tester. Non, il veut pas. J'ai eu un espoir, mais non. Non. Il ne veut pas sauter. Là, il se dit non, faut pas déconner quand même. Bon, et après, une fois que j'ai fait ça, je vais réobserver pour qu'ils me disent un autre truc. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Non, je. Ah, reviens un petit peu. Voilà. Ah, et peut-être que si je l'arrête, bah oui, évidemment. Est-ce que je peux le. Ah non, je peux pas le remonter. Bon. Ah, il y a un. Ah, mais non, c'est. D'accord, oui. Si. Non, ça, je peux plus le réactiver. Je sais pas, je vais revenir en arrière, peut-être que je peux pas grimper là, non. Je pense que tout est là-bas, mais. Et d'ici, peut-être que j'arriverai à le choper, le machin. On va le descendre. Pourquoi est-ce que j'ai marché?
Non, bon d'accord. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais essayer de le ralentir parce que là, c'est clairement pas possible. Non, je peux pas passer par là. Je suis bloqué. Je ne comprends pas. Ils ont dit qu'il y avait des trucs d'évacuation, mais faut-il que je passe par là? Ah, c'est sur ça que j'ai marché, voilà. Et je peux pas le balancer ça là-haut, là. Attendez. Je l'ai pas prévenu. C'est de ma faute, je l'ai pas prévenu. Et oui, je crois que j'étais allée récupérer le petit machin là, non? Est-ce que ça brille en bas? Je ne crois pas. Bon, Gareth, attention, on va sauter. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'accrocher à ça? Parce que sinon... Ah, peut-être en bas, là? Non, j'ai pas l'impression. On va essayer dans le doute, mais non, il veut même pas. Je pense qu'on va encore faire une ellipse parce que là je dois avouer que je ne comprends pas. Oui, je vérifiais. Bon, bah je vais essayer de toucher à tout sur les valves et puis on va bien voir ce que ça donne. Hein. À tout de suite. Heureux, je vous reprends parce que j'ai l'impression que ça fait des trucs bizarres. Enfin, j'ai juste tripatouillé un petit peu et ça commence à. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout qui va péter donc. L'impression agrandit les fissures. Si je continue à forcer aux bons endroits, je pourrais le faire voler en éclats. Bah, vas-y, 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 vas-y. Non? J'ai juste tripatouillé, hein. J'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse, mais... Je sais pas, voilà, jusqu'au moment où ça fait des bruits bizarres un peu comme ça. Non,
Une troisième fois peut-être. Allez. Et du coup, l'ellipse n'aura pas été très longue en fait. Hein, je. Oh, je pensais que j'allais devoir sauter, mais c'est carrément une passerelle. Ouais, mais quand on commence à pouvoir choper des trucs, généralement c'est là qu'il y a les méchants qui arrivent. Donc on va faire gaffe. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme 4 à la rigueur, mais. Non, on va prendre celui-là. Non, c'est celui d'à côté. Voilà. Il n'y a pas de méchant. Ah bah si. C'est qui ça? Le maître voleur? J'arrive à un mauvais moment. Pardon, je suis maladroit. C'est que depuis notre première rencontre, j'ai tendance à avoir la jambe un peu lourde. Avant plonger la main des voleurs dans le goudron, Garrette. Les mains noires. Mais les tiennes, je les veux sur ma cheminée. J'espère qu'on va pas contrôler l'espèce de baignade chelou, parce que... Non, ça va. Ces égouts doivent mener jusqu'à la rivière sous le pont. Évidemment, là, il n'y a plus d'eau. Tout à fait normal. C'est qui? Par ici! Le manoir est à nous! Gardez-moi un morceau! Le baron vit sa dernière nuit! Ok, je comprends pas tout. Ça. Si on peut se cacher, ça veut dire que voilà, il va y avoir des ennemis. Je ne pense pas qu'il n'y ait grand chose, mais bon. Mais
Là, il n'y a rien par terre, non. Bon, bah, allons-y. La horde des fervents a laissé son empreinte. Ça va être compliqué de traverser le pont. Il s'est bougé. Je me doute que Gareth sait pas nager. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Non? Ah si. Ah, mais... ils sont trop gentils, ils avaient prévu le coup de la nourriture quand on se cramait les fesses. Absolument pas où je vais. Mais hein. Pardon. Alors attention Gareth, on monte à la corde, d'accord? Voilà. Oh mon dieu, j'ai le OK. Pardon. Oh. Charmant. Sûrement là. Mais après là. Oh. D'accord. Toujours piquer la vaisselle au passage. Oh, oh là, 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 oh là. Quoi? Oh mon dieu, mais faut que je me dépêche en fait. Oh, mais c'est trop fou ça. Genre, le feu il se propageait vraiment, donc tu peux pas rester comme ça. Ce qui paraît logique tout de même, mais quand même. J'aurais espéré qu'il y ait un passage là, mais apparemment non. Ah là. Oui. Oh. Ah oui, d'accord, charmant. Mon Gareth, on saute. Attention. On re-saute. Mon dieu. Attention, saute. Voilà. Ah, c'est pas où, alors c'est de l'autre côté. Céder. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on peut sauvegarder?
Oui, ça va, on peut se garder. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Là, ça commence à devenir un petit peu long, le parcours du combattant. Donc, voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt.